Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le fait de l'action mardi le 5 mai 2015. Les marchés ont commencé en baisse. Pas Toronto a commencé en hausse, lui, ce matin, mais les marchés américains en baisse et ça a pris de l'ampleur en s'en allant. Et ça semble même pas encore fini. Moins 152 à Toronto, 97 à la baisse à New York et 66. Donc ça joue entre 1,5% pour New York et 1% et 1,5% sur Nasdaq, 1,3. Regarde, c'est clair hein, que je vous ai parlé hier que je pensais bien que c'était la fin du rebond et c'est ce qui est arrivé. Donc, on est en correction sur un support très important, une réaction négative du stochastique là-dessus qui donne un signal bearish, là, un signal baissier. Donc, le Dow Jones en direction de son support, très bonne chance de se rendre jusque-là aussi. Son stochastique s'apprête de revirer de bord aussi. Le SPTT vient de tomber directement aussi sur son support. Donc, ce qui avait l'air d'une petite correction très faible ce matin a donné de multiples signaux à la baisse dans tous les secteurs. Et la situation reste quand même assez inquiétante à certains niveaux. Donc, je vais aller le plus rapidement possible sur... les préliminaires, le dollar américain est en baisse. Ça aurait dû favoriser les ressources, mais ça a favorisé le pétrole. Là, ce matin, on va y revenir. Pour ce qui est de la bourse du Japon, c'était fermé. La Chine est en correction parce qu'ils disent qu'ils ont des inquiétudes sur les marges de négociation après une hausse de près de 40% depuis le 1er janvier. Deux firmes de négociation ont augmenté la marge minimum requise pour transiger. Et Londres est encore en hausse, chose assez surprenante, mais pourquoi? Parce que la Commission européenne a relevé ses prévisions de croissance de la zone euro en raison de la diminution des risques de déflation. C'est n'importe quoi. oui, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Pour moi, en tout cas, c'est tellement facile, on ajuste ça à ce qui se passe, ça vient de s'éteindre. Puis il parle encore que la Grèce fait face à un non-paiement, tatatata. On sait bien qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc, le marché du Nasdaq est en baisse. Le marché de New York est en baisse en direction de son support. Le TSX est à côté sur son support. Dans les secteurs,
On avait le secteur énergie, USO qui était en hausse ce matin. Maintenant, il ne monte plus beaucoup, mais il était en cycle haussier. Et puis, il y avait l'indice des matériaux qui était en cycle haussier, qui ne l'est plus maintenant. L'indice des matériaux va devenir en cycle baissier, même si les mines n'ont pas décroché. Ça, j'ai dit hier, avant hier, j'ai dit ça achève, c'est-à-dire vendredi. Hier, j'ai dit c'est fini. Puis aujourd'hui, je le répète, c'est fini. Le cycle haussier est terminé. Si ça repart encore en haut de ça, c'est un nouveau cycle haussier. Mais ça pourrait aussi débuter une correction. Donc, ce qu'on voit ici sur le graphique, c'est que vous voyez ce cycle-là, dans le moment, il est en tout cas interrompu, parce qu'on parle de deux cycles, un ici, puis un autre là. Et pour le moment, mieux vaut réduire les positions, prendre des profits, quitte à racheter quand ça redécollera. Et puis, dans les secteurs déjà baissiers, ben là, on a le secteur industriel qui menace de décrocher. On a le secteur télécom qui arrive à son support. On a la consommation discrétionnaire qui menace de décrocher encore aussi, ainsi que les services aux collectivités. Dans les secteurs neutres, pour pas dire baissiers, là, parce que il y a un gros support là, mais ça veut tout dire. Écoute, si le secteur décroche par là, il met le pied en tendance baissière, pas rien qu'en cycle baissier. Et la technologie aussi. Donc, comme vous voyez, là, il y a beaucoup de secteurs qui, excepté les orifères, qui ont atteint leur support. On va revenir sur les orifères. Le secteur financier a atteint sa limite à la baisse avant de devenir baissier à court terme. Le secteur technologie est dans une condition pareille. Il y a énormément de titres partout, là. Pas rien que sur le secteur énergie, dans bien des places. On va en voir durant l'émission, rappelez-vous, des types sur des multiples supports, comme on voit ici. La consommation de base est comme ça aussi. OK, rapidement, quelques résultats financiers, puis après ça, on va analyser nos graphiques. Il y a eu Walt Disney qui était en hausse ce matin sur 1,23 par rapport à 1,11. Estée Lauder, qui ont eu 72 au lieu de 51, était en hausse aussi. Emerson Electronic est en baisse parce qu'il y a eu 65 au lieu de 76. Puis Baytex, il bouge pas. Ça doit être une donnée comptable un peu contradictoire, là, parce qu'ils attendaient 12 cents, ils ont eu 95 cents. Donc, le titre devrait être en forte hausse, mais ils ont eu une baisse de 26 % des profits, donc ce qui est pas des revenus, donc ce qui n'est pas logique. 26 % de revenus, puis 6 fois plus de profits. Mendelez est en baisse, même si... Mendelez est en baisse, même s'ils ont reçu l'approbation européenne pour la combinaison de leur division de café de 7 milliards, qu'ils disent. Cisco est en baisse aussi. Ils disent qu'ils vont dévoiler des nouveaux produits liés à la large bande aujourd'hui dans l'espoir de profiter d'un mouvement des entreprises de câble diffusion pour augmenter leur vitesse de distribution à large bande. Youpi, tant mieux. J'espère. Plus ça va aller vite, plus on va être content. Golar a été choisi comme partenaire pour le projet FLNG Fortuna avec Orphir Energy. Donc, ça a été super positif dans leur cas. Accelerex chute parce que la FDA ont dit qu'ils ont besoin de plus de tests sur leur dispositif anti-douleur. Du côté canadien, WestJet était en hausse, maintenant est en baisse sur 10 cents de plus de profit à 1,9. Fortis est en baisse, même s'il y a eu 10 cents de plus lui aussi. Argonaut Gold n'est pas en baisse, même s'il y a eu 5 fois moins de profits qu'attendu, avec une scène au lieu de 5. Puis contrairement à Bellatrix, au lieu de faire 4 scènes, ils ont perdu 7 scènes, puis le titre est en hausse, mais c'est un titre d'énergie. Orbit a une nouvelle un peu ridicule. Ils ont reçu un versement de 2 millions de crédits d'impôt en rapport aux équipements qu'ils ont achetés. Slice a finalisé un contrat avec Toys R Us. Slice a fait un rebond, bougeait pas à l'ouverture et monté plus par après. Quand même intéressant. Ils ont finalisé un contrat avec Toys R Us. Vous savez, Slice, ils ont une application que vous photographiez quelque chose, ça vous dit où vous pouvez l'acheter. Bon, bien, si vous photographiez quelque chose qu'ils ont en magasin chez Toys R Us va sortir dans leur application. Le pétrole est encore en hausse. On va regarder nos ressources, là.
Bon, le gaz, ça se promène up and down depuis ce matin. Donc, beau trading pour le day trading ici. Le pétrole a décollé en hausse ce matin et a fait un cycle aller-retour. Après ça, a fait un autre gros cycle presque aller-retour. Là, il est resté positif dans un support et il vient de repartir dernièrement à la hausse. Donc, le pétrole qui est très positif. Est-ce que les pétrolières suivent le mouvement? Eh bien non. Hein? Le pétrole a décollé comme les pétrolières ce matin. Ici, c'est l'indice qui représente les titres qui font partie du secteur pétrolier et non pas le pétrole lui-même. Et donc, le pétrole a fait ce matin, oui, il a fait ça. Puis après ça, il a fait ça. Puis après ça, ils sont rendus là. Tandis que lui, il s'en va par là. Donc, les pétrolières s'en vont à l'inverse, non? Qu'est-ce qui fait peur aux institutions? En plus, le dollar américain baisse, un peu bizarroïde. Et bon, puis malgré que l'or est en baisse, les titres aurifères, eux autres, sont en... attends un peu que je vais y arriver ici. On va mettre ça partout. Bon, j'avais pas la bonne cote. Donc, on peut voir ici, tiens, on va le regarder comme ça, on peut voir que l'or est en hausse, comme je vous ai montré, et pas là, c'est un peu c'est le pétrole, ça. C'est que l'or est en hausse ici, sur son bas de la journée, toutefois, à trois reprises, mais les titres aurifères n'ont pas suivi. En fait, les titres aurifères sont montés comme l'or. Hein? Ça, c'est l'or, ça, c'est les titres aurifères. Ils ont monté, eux autres, aussi, ce matin. Mais contrairement aux aurifères, après avoir monté, redescendu, remonté, redescendu ici, c'est ce que les aurifères, l'or a fait, c'est ça. Regardez, on l'a ici, puis je vous le transpose à côté. Mais les aurifères, ils ont glissé. Donc, pourquoi les stocks sont dompés? Et là, c'est un point quand même inquiétant. Les prix, regardez, par rapport au prix d'hier, les aurifères sont ici. Regarde, il est là l'indice, là. Ils sont reportés sur le graphique de l'or. Reportés sur le graphique de l'or, les aurifères qui sont en bas ici, là. Donc, l'or est là, puis les aurifères sont là, comme on peut le voir ici. Bon, comment on fait pour se protéger contre une rechute de l'or si vous êtes loadé en or? Bon, j'en connais des gens qui sont bien loadés dans l'or. Puis là, les aurifères, ce que j'ai expliqué ce matin pour essayer de démêler ça un peu. Là, on regarde le graphique quotidien. OK? Regardez le déplacement de l'or pour tout le mois d'avril ainsi que depuis le début de mai. OK? On a une formation plus ou moins neutre ici. Ça, c'est une tendance baissière. Ça, c'est une formation neutre. Depuis trois jours, l'or a remonté au milieu de sa formation neutre. Les aurifères, eux, contrairement à l'or, les aurifères, eux, qui sont comme ça, là, OK? L'or est en bas, l'autre est là. Les aurifères se situaient au haut de leur formation neutre, tandis que les aurifères se situaient au bas de leur formation neutre. Donc, ce qui est arrivé depuis les trois derniers jours, l'or est venu rejoindre le prix des aurifères, qui sont quand même restés en haut. Donc là, ce qui serait négatif, dans le fond, ce serait que l'or reparte à la baisse. Parce que là, les aurifères sont restés en haut, c'est l'or qui est venu les rejoindre. Si les aurifères redescendent en bas, si l'or redescend en bas, est-ce que les aurifères vont revenir à leur support? C'est la question là qu'on doit se poser. Donc, sur le secteur aurifère, TTGD, la possibilité, c'est que le secteur redescende ici, au prix du 23-24 avril. Donc, il est où le signal baissier là? Il n'est pas loin d'ici. Il est juste là, en dessous. Et si je vous reporte ça dans un graphique, juste de quelques jours, pourquoi il ne me l'a pas donné? Parce que je n'ai pas cliqué comme il faut. Bon, vous voyez, il est ici la zone de support. Là. On est là. Donc, dans le moment, on connaît un petit rebond. Mais ici, on risque de voir les titres accélérer à la baisse. Comment on peut se protéger contre ça? HGD. C'est que si les titres aurifères décrochent, HGD va passer par là. Donc, à l'inverse,
Au lieu, les titres aurifères sont en train de rebondir ici puis pourraient décrocher, tandis que HGD, qui va à l'envers de l'indice aurifère, si les aurifères décrochent là, le HGD va monter par là. Donc, on pourrait se protéger en achetant du HGD si HGD part par là puis les titres aurifères partent par là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On va faire une petite comparaison ici avec, Franco-Nevada, Agnico Eagle et le groupe des grosses aurifères. Bon, si on regarde, là, je vous ai expliqué l'or qui est revenu au milieu de sa formation neutre, les aurifères qui sont à peu près à la même place, donc qui se sont rejoints tous les deux. On a un Franco-Nevada qui, lui, reste à sa résistance, donc c'est pas le titre le plus faible. Par contre, si on regarde Franco et Gold Corp, voyez-vous la différence? C'est que Franco est ici, dans une formation neutre, de même prête à s'en aller là, là. OK? C'est ce qu'on voit ici, là. Tandis que Gold Corp est en bas, pas en train de pousser en haut, là, sur sa résistance. IAM Gold est au haut de sa résistance. Agnico Eagle s'en retourne vers le bas de sa résistance. Donc, ils ne sont pas sur le bord d'un décrochage. Et certains titres aurifères ont performé, mais c'était les titres secondaires. Pour l'instant, Gold Corp n'est pas un des plus forts. Ça fait que là, je pense que c'est assez important de regarder aller l'indice aurifère au cours des prochaines heures, parce qu'il devrait, lui, être assez révélateur de la situation. On l'a-tu allumé? Non, je vais vous ouvrir là-bas, oui ou non. Puis, je vais poser la question aujourd'hui. Qui sont vulnérables à une baisse de l'or, là, présentement? Est-ce que vous êtes vulnérable à une baisse de l'or? Je vous ouvre le bouton oui ou non. Vulnérable, ça veut dire, ben regarde-moi, là, si l'or s'en va vers son support, je vais perdre des sous. Si les aurifères s'en vont par là. Le bouton de vote est ouvert et vous voyez les résultats rentrer. Et ça répond beaucoup toujours sur les aurifères, parce que les aurifères, il y a toujours beaucoup de monde là-dedans. Donc, on voit que ça s'est stabilisé probablement, il n'y a pas la moitié des auditeurs qui ont répondu, donc ceux qui n'en ont même pas, ils ne répondront pas. Ça donne 38% versus 62. Donc, finalement, c'est peut-être moins que 38%. Là. On le saurait juste si tout le monde répondait. Et puis, il y en a qui ne sont pas là aussi. Il y en a qui sont en train de faire cuire la bouffe dans le chaudron pendant qu'on se parle. Ils écoutent l'émission, ils n'ont pas le doigt sur le piton. Et puis, on va aller répondre maintenant à quelques courriels. Ça a resté stable à 38%. T'sais, on a Chopin qui dit d'analyser SAP. Vous comprenez qu'à peu près tous les stocks qu'on va analyser aujourd'hui vont être en baisse, presque.
parce que le marché est en baisse. Saputo est dans une situation qui ressemble à celle que je vous parlais de multiples supports au début de l'émission. Par contre, il n'est pas à côté sur son support. Donc, Saputo est plus fort que le marché présentement. C'est pas une condition d'achat, c'est clair, mais c'est pas un titre faible aussi, c'est clair. Ça fait qu'il n'y a pas aucun signal de vente là-dedans avant 34,5 $. HQD a acheté le 27 à 4... Oh non, pas ça. Oui, acheté le 27 à 4,75. HQD, c'est Nasdaq sans bear. Bon, bien là, le Nasdaq est en baisse. OK, regarde. Pour ça, c'est le Nasdaq 100. On va envoyer ça ici. Et puis, je vais aller sur le Nasdaq ordinaire. Là, c'est à peu près... Ça doit se ressembler bien gros. L'es-tu, le Nasdaq 100? Max? IVX. Merci. Ah non, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Prendre juste le Nasdaq de même. J'ai pas le temps de casser avec ça. Et pour l'instant, tiens, regarde. Parce que le Nasdaq 100 ou le vrai Nasdaq, là, ils font la même chose, là, hein, pratiquement. Donc, parce que le Nasdaq se déplace vers son support, où est-ce que je l'ai mis? HQD, il est là. Parce que le Nasdaq se déplace vers son support, HQD se déplace vers sa résistance. Parce que c'est un bêta pro sur le Nasdaq. Bear. Ça veut dire quand Nasdaq tombe, lui, il monte. Vous avez payé 4,75 et 2000 actions et là, il est 4,97. Bon, mais calculez, vous faites 2000 fois 30 sous. C'est ça l'idée. Donc, au casino, ça ferait cling, 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 cling. OK, tu en mets la moitié dans tes poches, tu peux peut-être rejouer l'autre. Bien, pour jouer l'autre, il s'agit de garder ces actions-là. Là, ce qui va arriver, premièrement, quand vous regardez le HQD, là, il est en hausse, là, en tendance haussière. Donc, je ne pense pas qu'on doit paniquer là-dessus, mais vous savez très bien qu'il va bouger en fonction de lui. Donc, si Nasdaq descend encore plus bas aujourd'hui, si le Nasdaq persiste dans sa tendance baissière puis descend jusque-là, c'est-à-dire 4920, où est son support, ça veut dire que HQD va monter jusqu'à 5,5. Mais là, il est à 4,97. Ça fait que le risque vaut-tu d'essayer d'accrocher l'autre 500? Ma théorie est simple, c'est que vous avez payé 4,75 ici. Puis là, vous faites 2000 fois 25 cents, vous en vendez 1000 ici, vous mettez un stop sur l'autre 1000 à 4,75 ou 4,80, vous dormez sur vos deux oreilles et vous allez faire d'autres choses. Puis si jamais le Nasdaq décroche, bien là, vous continuez à faire de l'argent. C'est juste que si le Nasdaq rebondissait comme ils font tellement souvent sur les marchés américains rendus sur les supports, pataf, on sort une raison n'importe quoi, puis ça remonte, ah bien là, il va redescendre, tu sais. Et comme ici, vous le vendez pas, bien il redescend, tu sais, il redescend. Vous l'achetez là, puis s'il redescend là, vous faites plus l'argent. Bien là, vous avez de l'argent dans vos poches. Fait qu'on pourra pas vous enlever celle que vous avez mis dedans. TTEN, un go, non, plus maintenant, là, parce que... Là, premièrement, USO est en hausse. Attendez un peu, on va vérifier ça. USO est toujours en hausse. Regarde, il se tient même à une résistance, pourrait même faire encore un nouveau haut aujourd'hui. Mais pour une raison ou pour une autre, ça, c'est pas la bonne affaire. Pour une raison ou pour une autre, les titres, on refuse de suivre le mouvement. Donc, quand vous dites TTEN, ça veut dire, est-ce que j'achète tes titres pétroliers? Ah bon? À moins que vous voulez, mais encore là, ce sera lequel? Je dirais, comme on a dit ce matin, il y avait des titres intéressants parce qu'il y avait des titres qui décollaient à cause du pétrole qui montait, comme Calfrac. Puis, une fois que ça est comme Trican, qui sont quelques-uns à donner des élans haussiers, mais pas n'importe lequel. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Retour, mesdames et messieurs. Et il y a quand même, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y avait quand même des facteurs aggravants, qu'on pourrait dire, dans les raisons pourquoi le secteur de l'énergie a de la misère à monter de même, même si le prix du pétrole est reparti en hausse. C'est parce qu'il y a des gros canons comme Enbridge qui donnent même un signal de vente à court terme aujourd'hui. Et on rajoute à ça TransCanada Corporation, tous les deux très lourds dans l'indice. Fait que c'est dur pour les autres compagnies de montrer un indice positif, mais malgré tout, on a une trilogie en forte hausse, Calfrac, Trican, McMullen Group, c'est Mullen. Puis il y en a peut-être d'autres là, j'ai pas fait le tour complet de la liste. J'essaie de vous montrer des affaires qui débutent et non pas des affaires qui sont rendues trop loin. Non, il y en a juste quelques-uns. Il y en avait plusieurs qui avaient produit des beaux cycles au cours des derniers jours. Aujourd'hui, ils sont tranquilles. Il y a des prises de profit. Il y en a deux, trois autres qui décollent. Mais ce sont deux, trois gros canons là, qui provoquent le mouvement. Donc, bon, on s'est stabilisé un petit peu sur le TSX. Là, maintenant, on a fait l'aller-retour. Aller, descente, remonter. Donc, ce qui annule le dernier cycle, ce qui veut dire que maintenant, le TSX a passé d'une tendance baissière. Regardez, ça, c'est un cycle baissier avec une phase neutre, suivi d'un autre cycle baissier, une phase neutre, un autre cycle baissier. Donc, trois cycles baissiers ce matin, un ici, un là et un là. Et puis là, maintenant qu'on a fait l'aller-retour, ben on vient de tomber dans une tendance neutre qui serait inversée ici et qui reprendrait là. Par contre, le marché de Nasdaq, pas très, très fort. Fait qu'on parlait du Nasdaq 100, là, on parlait de HBU tantôt. Ben écoutez, regarde, pour l'instant, il est en train de revenir à la baisse. Fait que si vous prenez des profits, regrettez jamais d'avoir pris des profits. Regrettez, et l'histoire, c'est de ne pas tous les vendre. C'est ça la meilleure chose à faire. Est-ce c'est temps d'acheter TRI? TRI, ça, je ne suis pas dans la bonne liste. Thomson Reuters et Claudette. En fait, Thomson Reuters montre un signal baissier aujourd'hui. Je ne l'achèterai pas. Et nulle part, il a donné quelque chose d'intéressant parce qu'il a même décroché en bas de sa tendance ici dernièrement. Son retour à la hausse n'est jamais venu redonner une confirmation de tendance haussière. Et là, on reprend le cycle baissier et la tendance baissière. Donc, achetez pas ça. J'ai fait quelque chose, j'ai perdu mes questions. Hop, ils sont là, ils sont arrivés. Bon, ça, c'était. Les autres questions, j'ai toutes répondu. On a-tu le temps? Oui, on ouvre la boîte de questions. On ouvre la boîte de questions. On va analyser autre chose. Ben, ils ont répondu. J'ai répondu à ça. Ah, OK. Vous l'avez déjà allumé? Bon, OK. Bon, TBE. Non, je l'ai fait ça aussi, Gann. Je l'ai fait ça, TBE. Twin But, c'est clair. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit quoi? J'ai dit, on prend un profit. OK. Serge, ER Toronto, payé 31 cents. East Main Resources. Bon, ben là, il se tient bien. Regardez, la tendance est haussière toujours. Sa correction qui est là est normale. Ces titres-là font tout le temps ça. Il y avait eu un signal de vente à court terme ici, mais là, entre les deux, c'est parce que vous avez payé 31. Hein? Le signal de vente est comme quasiment à votre prix payé, là. Fait que vous avez deux choix.
Ça me fait 30 % de profit. À 42 cents, ça me fait 30 % de profit. Moi, je dirais, grosso modo, c'est parce qu'il était un peu erratique, hein, parce que quand il fait pas de volume, là, quand il y a des journées où il fait pas de volume, vous voyez, c'est juste des points puis des blocs, ça fait que ils ont tendance à faire des petites glissades, ces stocks-là, parce que je dirais, si on le regarde logiquement, plutôt avec au moins des 15 minutes, là, pour essayer d'avoir une certaine fluctuation, je dirais, moi, si j'étais vous, je prendrais la moitié des profits là, puis je vendrais l'autre moitié à 39 cents. KS, un achat, vous parlez de Kellogg ou vous parlez de Kinross? On va voter pour Kinross. Hey. Quoi? Bon. Kinross, est-ce un achat? Non, c'est pas un achat, Kinross. Avec la résistance qu'il y a là, je suis toute réserve, là, mais il faudrait qu'il fasse un gamme 3,15, pas avant. Puis de toute façon, ça va prendre aussi du volume. Il a fait des gros volumes, puis il n'a même pas monté là-dessus. Kinross en bas, par rapport au secteur aurifère, il est bien plus faible que le secteur. Moi, je ne trouve pas que c'est un bon choix. WPT, c'est Westport Innovation. WPT, s'il vous plaît. Bon, quoi vous en voulez? Appelez votre broker, il va vous en vendre. Là, WPT, c'est un point pour commencer à prendre des profits et non pas pour l'acheter, parce que le cycle a 3 jours de fait. Et en plus, il est en situation suracheté. Donc, on en garde, mais on en vend. Puis, si on n'a pas, on attend, on a passé le signal d'achat il y a déjà 2 jours. BXE. Bellatrix, il se tient sur un très, très bon support. Je l'éviterai tant qu'au moins il dépasserait. Ben, regarde, sur un prochain haut, 3,95, ce serait un go avec un bon volume. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.